Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir que nous rejoignons sur Chanel pour la tende cause. Jeudi à 13 décembre 2021, nous comptons rejoindre nous pour nous capables de faire un petit parler sur ce qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Mes amis, nous venons à un gros dossier pour nous. Yo rejoignez le monde qui parrain Jovenel Moïse qui t'a semblé participer dans la mort Jovenel Moïse. Nous parlons poter. Bon gens information parce que nous songeait Gabriel Fortuné avant qu'elle était mouri, il était dit c'était parrain Jovenel Moïse qui touillait Jovenel Moïse. Eh bien là, bien bon gens information sur ça. Mais avant bon pour un petit temps pour me remercier nous toutes qui toujours like, qui toujours abonné avec Chanel Noir, merci pour ça. M'a demandé nous un service. Prends vidéo ça, partagez-le dans tout groupe Facebook. Oui, prends lien, partagez-le dans tout groupe Facebook, ça aider nous pour plus monde capable voir vidéo nous yo. Mes amis, on nous commencer. Dans le jour qui était 7 juillet 2021, en pile mercenaires était entré la caisse Jovenel Moïse, eh bien, il était touillé président. Après la mort ça, la République était choquée. En pile monde t'a fait gros déclaration. Youn nan moun sa yo c'est Gabriel Fortuné, malheureusement qui pas existé encore, qui mouri à cause tremblement de terre 14 août là, malheureusement Gabriel Fortuné mouri. Eh bien, il t'a fait une gros déclaration. Mais c'était dit c'est parrain Jovenel Moïse qui touyèl. Bon, qui est-ce qui parrain Jovenel Moïse? Nous pas trouvé une réponse là à cause de la mort Gabriel Fortuné. Eh bien, jodi a nous gen réponse là. Selon ça, un journal américain qui est le New York Times, son journal qui en pile monde fait confiance, un journal qui est très populaire, lui dit comme ça, monde qui parrain Jovenel Moïse là, c'est pas l'autre sinon que Michel Joseph Martelly. C'est monsieur ça qui t'a censé parrain Jovenel Moïse. Selon déclaration journal là, lui dit avant que Gabriel Fortuné était mort, il a déclaré que vraiment t'a dirigé pays là, c'est pas le président. C'était parrain Jovenel Moïse, c'est pas l'autre sinon que Michel Joseph Martelly. Donc ça c'est déclaration que Gabriel Fortuné lui fait. Bon, pour qui ça nous dit ça? Dans article ça qui est écrit dans New York Times, il bail toute information sur Jovenel Moïse, plusieurs informations relation que Jovenel Moïse lui-même il était gagné ensemble avec Michel Joseph Martelly. Ça va mener nous dans une déclaration que Esther Antoine, une directrice campagne Jovenel Moïse fait. Dame ça qui t'a travaillé pour lui soigner image Jovenel et pour aider Jovenel lorsque il t'a fait discours yo dans campagne. Dame ça fait un pile déclaration qui va le faire nous saisir. Selon Dame ça, selon Madame Antoine, lorsque Jovenel Moïse te commencé campagne, Martelly te toujours pichot dans sous scène nan. C'est lui même qui tout côté. Et bien, il te trouvé ça un petit genre pas bon pour Jovenel Moïse parce que ça te capable de faire peuple la penser que c'est Martelly qui moun nan. Donc, c'est pas Jovenel Moïse. Ça te capable de faire que li pat moun nan élection. Ça te déclaration Madame Esther Antoine. Qu'est-ce que elle te fait? Il te dit, il te conseillé Jovenel Moïse pour lui fait campagne pour col quitter Joseph Michel Martelly. Et bien lorsque Jovenel Moïse te commencé faire ça, un bonjour l'an nuit Madame Martelly Sophia, alors Madame Martelly Sophia, li te relé Esther. Dame li te fâché, li te estomaqué parce que Madame Esther Antoine ou bien Esther Antoine pas de toute information sur comment Jovenel Moïse lui-même il déplacé, l'est sorti, fort Esther lui-même il dit ça. Esther t'es senti lui vexé. Il t'a dit clairement que il a travaillé ensemble avec Jovenel Moïse, mais il pas travaillé pour famille Michel Martelly. Ça c'est déclaration que Esther lui-même lui fait. Mes amis, ça m'a dit là, il est vraiment choquant. Mes réponses que ma Sophia Martelly lui-même lui te bail Esther. T'as des causes? Il dit comme ça, Jovenel c'est une propriété. Vous semblez pas comme ça. Ça c'est déclaration Sophia Martelly lui-même lui fait lorsque Esther Antoine dit que il pas travaille pour lui, il pas travaille pour famille Martelly mais il travaille pour Jovenel Moïse. Il
li pa gen l'ordre pour recevoir nan men yo, il pa gen information pour bay concernant Jovenel Moïse. Eh bien, Sophia Matéli dit Jovenel Moïse c'est une propriété. Nous compte ça qui est une propriété. Par exemple, lorsque moun gen machine, li c'est propriété, elle pa vrai, yon bécane, yon bicyclette, ça veut dire capable faire ça vle. Eh bien, yo te utilisé Jovenel comme une propriété pendant ce temps, c'est eux même qui pour ce pouvoir. Ça c'est déclaration. Eh bien, Esther qui était tellement choquée, Esther Antoine qui était vraiment choquée, il dit comme ça, on pas comprendre, répétez ça dit et mesdames n'ont répété même bagaille là. Jovenel c'est une propriété. Est-ce que nous t'en causé? Eh bien, lorsque le journal là lui-même était entré en contact ensemble avec ancienne première dame là, une façon pour être capable défendre tête lui, ancienne première dame là, pas de vouloir répondre question journal là. Lorsque Jovenel lui-même était remporté la victoire, il était remporté, il est venu élu comme président, Jovenel Moïse était senti lui vraiment gêné, il était senti lui étouffé. Mais il était voulu rester fidèle ensemble avec et avec Michel Martelly. Parce que Michel Martelly devait contrôler toute bagaille, tout petit détail, toute petite décision qu'il était gain pour être pendant gouvernement, Martelly faut que Martelly gagne disons. Et pas seulement Martelly, vos frères Martelly, Charles, Kiko, Saint-Rémy, t'es doué là ou bien toute décision que gouvernement prend, quelle que soit la décision, faut Jovenel Moïse mette les gens au courant pour bailler 10 ans sous dossier. Ya. Par exemple, même propre cabinet Jovenel, c'est pas les mêmes qui démontent. C'est famille Martelly ensemble avec Kiko Saint-Rémy. Tout ça, c'est déclaration Esther Antoine. Bien souvent, famille Martelly, yo, yo te kon relé sous Jovenel. Ça des causes yo te kon relé sous Jovenel pour dire c'est timoun yo. Donc ça veut dire mes amis bagay la te grave. Ça veut dire c'est pas Jovenel vrai qui t'a dirigé pays ya. Mais au contraire, c'était famille Martelly ensemble avec beau frère là qui relé Kiko Saint-Rémy. Pas oublier toute information ça aussi selon sa journal ça les fait quoi. Même sécurité président qui c'est Dimitri Era, c'est pas l'autre monde qui te metel, c'est Joseph Martelly qui te metel. Et d'ailleurs, yo fait connaître que Dimitri Era, c'est un monde tout qui suspect dans question trafic drogue. D'ailleurs, en 2015, yo te joigné, yo te barré dans question drogue, lui-même il te prend plusieurs l'autre policier ensemble avec qui en uniforme pour y aller charger cargaison et drogue. Ça c'est déclaration de témoin et un ancien agent dit lui-même il était fait. Ça c'est déclaration. Est-ce que vous comprenez mes amis? Ça veut dire Jovenel Moïse pas jamais à diriger. Eh bien, lorsque Jovenel Moïse lui-même était décidé révolté, d'ailleurs Jovenel Moïse était en train de dresser une liste côté qu'il était prêt à remettre à gouvernement américain. Liste ça, c'est liste moun qui ta nan trafic drogue. Et d'ailleurs, beau frère Martelly qui c'est Kiko Saint-Rémy te nan tête liste comme moun qui li te pral livré par gouvernement américain question drogue. Ta assemblé c'est une raison qui fait que yo exécuté Jovenel Moïse. En tout cas mes amis, bien causé dans la République. C'est comme ça, c'est une raison qui fait que nous capable dire que parrain Jovenel pas l'autre sinon Jean-Gabriel Fortuné me dit ça, parrain Jovenel pas l'autre sinon que Michel Joseph Martelly. Kounya bam kite nou avec do et audio ça, c'est vraiment intéressant. Prends ça nous pour nous entendre comment Gabriel Fortuné t'a dénoncé en pile monde qui participait dans la mort Jovenel Moïse. Jovenel Moïse paye tout. Mission li malgré pas dire l'état encore, mais il était passé à côté. C'est le prix de l'insécurité, de la criminalité, de l'impunité. Gabriel Léon, demandez par Hélène s'il vous plaît, puisque c'est sous téléphone, moi, m'a brûlé déclaration. Gabriel Fortuné. Parce que je suis toujours dit, président, pas de l'État, il faut que nous recommençons à reconstruire l'État. Dans le moment où Jovenel Moïse mourir, c'est énième haïtien qui mourit. Donc il y a des haïtiens. Pays a été déjà en deuil. Parce que nous-mêmes qui dans l'État, nous pas de fait travail. Nous sommes passés à côté mission. Nous. Conséquence l'arrivée dans la chambre Jovenel Moïse.
a fait justice dans le pays ça, a fait sécurité dans le pays ça. L'homme on a parlé de ça. Parfois on passe au tête au du fou. Institution n'était pas de fonctionner encore. La police est écrasée tout bon. Et de l'intendance, ni côté politique, ni côté flibustier, pour remplacer la police par des chefs de gang. Chefs de gang, ils ne font la loi dans le pays. Les chefs de gang, ils arrivent dans la chambre du président Jovenel. C'est le prix de l'impunité. Il y a un ancien sénateur qui t'a annoncé qu'il a mangé, qu'il a tué Jovenel Moïse. Mais si Jacques Roche te gagne, justice, dans une gâteau, pas t'as capable d'annoncer la mort de Jovenel Moïse. Si Jacques Roche te gagne justice, si Jean-Dominique te gagne justice, si Timoun Nassaligno te gagne justice, Réginald Boulos, pas t'as capable d'annoncer assassinat. Jovenel Moïse. Si tu as une commission de vérité, j'aime toujours prendre des présidents depuis 5 ans. Dimitri Vob, tu as annoncé la mort de Jovenel Moïse. Et si le président a eu le courage tout bon pour au moins amorcer le procès de Petro-Caribé, pas une ni pas de calibre. Je dis à ce n'est pas ça, nous y sommes. Nous avons payé, peut-être ça nous fait. Mais crime, ça, c'est le son pour nous tirer de lui-même. Ce n'est pas bataille pour nous continuer bataille avec tête. C'est un crime qui est conséquence. C'est un énième crime, parce qu'il faut nous parler de tout ça que fait. Mais ça, c'est un président de la République qui des flibustiers payés pour y aller un président assassiné, humilié, dégradé dans la chambre la caille. Monsieur Dayo a gagné une double garantie. Première garantie, monsieur Dayo a gagné, il a une garantie que le monde soi-disant qu'il n'y a pas président de sécurité, n'y a pas même gardé. Et il a reçu un dernier message. Et sur toute vidéo, nous voyons comment effectivement il y a un message là. Je te donne l'autre garantie. Je dis, papa, il ne sait pas Jovenel Moïse. Là, nous faisons tuer. Nous mettons papa pour la rue, c'est la fête. C'est ça que fait Bandio, je dis à nommer la police. Je t'ai préparé pour y aller à la fête populaire. C'est deux garanties ça, mais c'est n'est pas gagné. Au Dieu Jovenel, pas de monde qui va parler pour Jovenel. Tout le monde besoin de débarrasser de Jovenel, nous pas besoin de problème. Après nous finir assassiner, rit dans la fête là. Rit dans le carnaval, pas le carnaval pour nous baisser. Alors, bon Dieu était là. Bon Dieu était là. Satisfait là. Peuple haïtien, génération ça n'est pas habitué avec ça. Non, on pas habitué avec ça. Peuple haïtien habitué avec contestation, avec révolte, marcher devant palais. Mobiliser pour voir le président aller. Génération ça, c'est ça le connaît. Mais entrer dans la caille président, dégrader, humilier, assassiner, parce que c'est un petit bout sale. Nous pas au Proche-Orient, nous pas habitués à ça. Nous pas en Syrie, nous pas habitués à ça. Nous pas en Liban, nous pas habitués à ça. Pas passer par quatre chemins pour être auteur intellectuel. Monde qui commandite, monde qui paye, monde qui exécute. Monde qui permet que infiltration, pénétration, en fait, jusqu'à ce que nous arrivions dans la chambre président, nous tous connaissons. Président responsable, tout cadavre là responsable. Président, tu connais les gens qui livrent là, tu es dans le trafic ZAM. ZAM, ça a tué un pile haïtien. Jusqu'à ce qu'il tue le président.
Nous avons dit président, les gens qui ont fait trafic d'armes, trafic de munitions, c'est la caille de gens. Le président est têtu, nous tous sommes comme ça. C'est les armes qui sont dans l'entourage du président qui tue le président. Ce n'est pas l'autre monde. Le président a été livré. Le président a été livré. Devant la situation, c'est encore une fois, maintenant des peuples haïtiens. Donc, a dit tout ça, nous voulons des journaux. Nous capables d'exagérer. Là, on a parlé des journaux. Les journaux ont eu le courage pour te toucher. Maintenant, tout le monde qui t'a assassiné des Salines. Groupe social qui t'a assassiné des Salines. Groupe social, ça, qui a pratiqué une politique d'apartheid en Haïti. Journal t'a touché au du doigt. Il t'a dit où? Dimanche, la pointe dans lundi, le dimanche, il répétait 7 mois au bon moins. Nous, tout le monde, il répétait pas tout le monde. Mais sauf qu'il ne connaissait pas rien ni. T'es dans quoi? Ou bien t'es lâche tout. Il pas de conscience, il pas de courage assez comme être humain pour dire par un là tout. C'est même eux même. Pour l'argent, pour le pouvoir. Depuis quelques années, nous avons groupé la ZAM pour tuer l'autre et pour tuer le peuple haïtien. Pour détruire l'économie haïtienne dans les classes moyennes. Depuis quelques années, c'est ça qu'on fait. Depuis quelques années, il y a des politiques. Comme les politiciens, politiques, politiciens, les collabos, nos politiciens. Ce n'est pas seulement de l'opposition, du pouvoir et de l'opposition. Je dis à fond, nous, éclair, peuple haïtien, ça passe. Jouvenel, dans la contradiction, il fait nous éclair. C'est ça pour nous retenir, dans ça passe. Dans la contradiction, qu'elle t'a payé, il fait nous éclair. Mais ennemi nous. Je dis à nous qu'on est ennemi nous. Est-ce que je venais là pour la justice? Souhaitons-le. Mais nous connaissons. C'est pas ça. Ça n'a pas de tradition nous. Ça n'a pas de tradition nous. Et si nous sommes habitués à la justice, et si je venais là fait assez pour la justice, peut-être que nous ne pouvons pas arriver à la chambre. C'est pas nous seulement journal pas de bas sécurité, pas de bas tête de sécurité tout. Il te comprend pas rien ni tes responsables sécurité. Il te toujours comprend pas rien ni tes responsables sécurité. Les pays ça cher. Encore une fois, on profite de l'occasion ça. Vous prenez la parole. L'occasion ça. Pour me dire, nous, ça qu'a fait là en Haïti jusqu'à présent, ce n'est pas politique lié. Nous tuer politique là déjà. Nous tuer politique là déjà. La mort journal, c'est conséquence là. Tout le monde qui mourit avant journal, c'est conséquence là. Et il y a l'autre bagaille qui va le passer encore. Maman des peuples là, pour lui être tête faite. Pour l'aider. Dans la prière, famille Jovenel Moïse, pour le prendre courage à deux mains tout, puis elle mettait Jovenel Moïse dans la dernière demeure. Et pour nous tirer les leçons de contradiction, Jovenel Moïse, pour nous capables de construire le pays. On dit nous merci. Jean-Gabriel Fortier, vous parlez de parrain dans le même pouvoir. De qui est-ce que vous voulez faire allusion exactement et qui sort déjà pour voir qui est arrivé encore dans le pays? Vous avez la parole? Je ne vais pas retourner sur la question par non, mais ce qui est arrivé encore dans le pays, c'est que je dis à nous avons un pays par une institution. Nous avons un pays par aucun monde qui a dirigé. Par un président de la République, par un président de la Cour de cassation, par un président de l'Assemblée nationale. Tout reste monde en bas, dans le deuxième niveau, ils sont tous haïs. Et vous venez avec un bail nouveau là, il y a un premier ministre qui a rentré. Porte pour courir, il y a un premier ministre qui a sorti, porte pour courir. Jovenel mourit. C'est dans ce sens là. Donc, toutes conditions réunies pour voisin, grand voisin dit, bon,
l'a mettez un peu la paix. Pendant cet homme a souhaité 10 sénateurs qui là avec les juges de la Cour de cassation, ils ont réuni rapide au presto, non seulement pour funérailles président mérité funérailles, gros funérailles, mais maintenant pour faire des propositions dans le cadre des dernières recommandations de l'OEA pour limiter les dégâts. Mais on parlait du grand voisin pour dire ouais, tout on l'autre encore en plus de Paris là. Non, le grand voisin c'est les États-Unis. Les États-Unis sont déjà là. Même 17 fois-ci au moins, pas faire maounage. Pas faire maounage. Pas faire maounage là, mais qui veut conduire nous. Anchita. Anchita. Non, on ne peut pas parler, nous tous dans le baptême. Ancien magistrat, sans problème, ça veut dire que nous avons gagné une explication de l'Afrique en. Le président a été livré. Nous tous là, nous connaissons dans l'école. Oui, mais livré par qui? Hein? Par qui? Non, mais nous tous connaissons, le président a été livré. Et les gens qui t'a gardé, qui t'a pas président de sécurité, les gens sous tête. Les gens sous tête, les mêmes. Ils recevront l'ordre, ils recevront l'instruction. Il n'est pas capable de livrer le président de son propre chef. Non, mais là, je pense que le mort président Jovenel t'a supposé servir de balise. De façon à ce que nous ne puissions pas faire dans le pays, tout le monde, dans le cachet. Pour ça, tu as dit que le président Jovenel était bon ou pas dit qu'il non? Non. Je vais le plus important. Je vais les deux plus importants qui étaient dans la lutte ouverte avec le président. Qui est-ce? C'est Dimitri Vob, c'est Réginal Boulos. Et Réginal Boulos, pas de jambes cachées que mon cher Jovenel l'a exterminé. Dimitri Vob, pas de jambes cachées ça. Et son porte-parole qui dit par peut-être ignorance qu'il s'est fait. Et Dimitri Vob, le sénateur, malheureusement, sénateur Don Kato, hein? Il a parlé là, je vous dis, elle t'a annoncé ça. Mais encore, c'est tout ça, c'est l'impunité. Tout ça, c'est l'impunité. Hein? Tout ça, c'est l'impunité. Don Kato, pata. Bien dit président ça. Dit président, il faut faire une commission de vérité pour que la paix dans le pays. Tout le monde qui liquide l'entreprise de l'État, tout le monde qui est dans la contrebande, tout le monde qui est dans le trafic d'armes, munitions, président est contre tout. Naturellement, c'est un être humain. Il était un courage seulement pour le dénoncer quelques-uns, mais il n'est pas capable de faire le bon coup. Le bon coup, jusqu'à jeudi, c'est la commission de vérité. La commission de vérité, elle va permettre que nous comptons qui est ce qui conduit nous là. Nous fixer les responsabilités et puis après, nous faire la réconciliation nationale. Il faut arriver à réconcilier tête nous. Le système d'apartheid, là, il traite nous comme petits esclaves. Malheureusement, la misère fait que un paquet de jeunes intellectuels ou bien des jeunes garçons, des jeunes filles hein, qui contribuent à enterrer les dossiers de Petro-Caribé. Le dossier ça a contribué pour tuer Jovenel tout parce qu'il n'y a pas de bail justice dans Petro-Caribé. Ok. Comme donc, c'est... je dis à c'est ça. C'est nos contradictions. Mais il faut tirer le son de la mort président et c'est pas le moment cadavre là toujours pour nous commencer avec des polémiques, c'est sous présent à ma fini, que lutte là pour continuer. Parce que tout ce que tu t'es dit, nous allons avec mes racines profondes. Dessalines te dit, et nous-mêmes qui sommes en Afrique là, si nous ne pouvons pas gagner, nous je dis à nous conscients de ça. Le système d'apartheid là pour finir bientôt. Et maintenant, on y a le jeudi, c'est le moment pour nous commencer à ressaisir nous, pour nous préparer maintenant les funérailles du président. Et ensuite, nous tous élevé la voix, nous pour nous dire blanc, communauté internationale là, pas de justice en Haïti, vous êtes comme ça longtemps, aidez-nous faire lumière sur ce passé là. C'est ça, une enquête internationale. Je vous en remercie. Avant d'aller, le magistrat, moi je suppose qu'on a le cas président. Est-ce que le facile pour ça, pour l'équipe de 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 le président a été livré. Là, moi-même, je ne suis pas le président, je ne suis pas rentrer n'importe comment. C'est même avec ça, je dis, non, attends, pour moi, le président, pour me dire que je suis là. Dans plusieurs postes, le président a été livré. Merci beaucoup.